Merci beaucoup. Oh. Merci d'être passé. Ouais, c'est un plaisir. Oh. Emma. Bébé. Bébé. Oh. Salut mon vieux. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Dick, bonjour. Lui as-tu servi quelque chose? Non, je le fais, mais il a dit non comme d'habitude. Tu n'as pas voulu manger? Non, je suis rassasié. Tu sais, j'ai rendu visite à plusieurs personnes et là, j'ai mangé partout où je suis passé. Raison pour laquelle tu as décidé de ne rien prendre dans notre maison. Non, c'est pas du tout ça. Il y aura toujours, tu sais, une prochaine fois. C'est pas grave. Prends bien soin de toi. D'accord, merci. Très bien. Très bien, ma chère. On se reverra, d'accord? Ok, prends soin de toi. Très bien, promis. Prends soin de toi aussi. Ça voulait dire quoi, ça? Il était en train de te saluer et tu es passé outre. Ouzo, je te comprends pas du tout. Sérieux? Comment tu peux permettre à un autre homme de venir chez toi et voir ta femme? Donc, tu es en train de permettre à ta femme de voir les autres gars ou bien les autres personnes? Non, celui-là, c'est ton ami d'enfance. Il n'y a rien de tabou avec lui. Ami d'enfance? Oui. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu m'as compris? Ouzo, écoute, tu es supposé être le plus intelligent de la famille, tu comprends? Comment peux-tu être? Ça veut dire quoi, Naïf? Dis-moi un peu. Ton cerveau mon frère, si. Ou bien, tu n'es pas en train d'écouter ce que je viens de te dire. Nous sommes déjà au 21e siècle. Et cette histoire d'amis d'enfance n'est plus du tout d'actualité. Ok. Hein? Tu dois comprendre ça. Ok. Tu ne dois pas faire confiance à tout le monde. Ça, ce ne sont pas des choses que tu devais t'en inquiéter. C'est rien du tout. Il vient toujours ici. Et même si je ne suis pas à la maison, il vient quand même. Même quand tu n'es pas à la maison. Pourquoi es-tu sur un gars? Ouzo. T'en fais pas, oublie tout ça. D'accord? Alors, bébé. Je veux dire. Oui, bébé. Comment vas-tu? Très bien. Je t'aime, tu sais. Moi également. As-tu préparé quelque chose? Bien sûr. Laisse-moi le vous servir la nourriture. Ok, merci. Hey. Ouzo, arrête de quoi arrête tu parles. Sujet, hein? Arrête tout ça. Merci. Et voilà. Waouh. Ajoute une autre cuillère. Ok, je l'ai apporté pour... Ah, tu as faim? Je ne savais pas. Elle n'a pas fait pour moi. Elle ne savait pas que tu allais venir. Alors, oh, merci, donne-le-moi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ok. Essaye de gérer. Je n'ai pas mis du poisson dessus du riz. Tu n'es pas un étranger, alors tu peux faire comme chez toi. Allez, vas-y, mange. Non, bébé, aucun problème, je ne vais pas les prendre. Pourquoi les gens sont plus insistants déjà de manger constamment? Ils veulent toujours ajouter quelque chose au dîner ou au déjeuner, du poisson, soit du margarine. Ce n'est rien ça, au lieu d'essayer de savourer la nourriture. Si tu je pensais qu'elle plaisantait. Il y a un problème? Mon frère, si tu veux être utile dans cette vie, apprends comment épargner. Moi, j'épargne. Si on finit tout ce qu'on a planifié, si tu veux, on peut manger les poulets chaque jour de la semaine. Ça m'a juste rappelé quelque chose. C'est comment à propos de l'argent? Tu devrais porter l'argent maintenant pour quand? Ne t'en fais pas. Quand on sortira, on ira au distributeur. Oh, celui de Panama. Avec celui-là, il n'y aura pas de rendez-vous. Tu n'as pas fait. Ce n'est pas grave. Ah, c'est pour ça, tu veux tout finir à ma place.
Attends, commençons de lire par ici. Allez, ici. Est-ce qu'il s'est endormi? Oui, déjà. Tu n'es pas heureuse. C'est quoi le problème? Je vous ai entendu parler de lui donner l'argent. Dike, tu veux encore lui prêter ton argent? Il ne rembourse jamais. C'est mon frère. Je ne peux pas l'abandonner juste comme ça. Je l'aiderai si j'ai des moyens. Ah, ah. C'est une grande personne. Il doit apprendre comment prendre ses propres charges. On s'est-tu affamé et on s'est privé de beaucoup de choses. Les choses qui sont même plus importantes sont mises à côté. Juste pour lui donner tout l'argent. Alors, c'est quoi l'importance d'épargner? On en a parlé de ça plusieurs fois. C'est mon frère. Mon sang. Je ne vais pas juste l'abandonner comme ça. Ok? Je n'ai pas dit que tu dois abandonner ta famille. Mais ça doit avoir des limites. Les donneurs ont commencé à payer au cas où tu ne sais pas. Est-ce que tu peux arrêter ça? Ton frère n'est rien d'autre qu'un parasite. Il va commencer à te nuire jusqu'à ce que rien ne reste. Tu ne vois pas qu'il prend de l'avantage sur toi? Tu ne le non, vois là, pas? Non, là tu commences à exagérer. Comment peux-tu traiter mon frère de parasite? Si c'était toi que j'ai traité des parasites, aimerais-tu cela? Au moins ma famille ne vient jamais ici pour me supplier d'avoir l'argent. Je ne veux plus parler de ça. Bonne nuit. Pourquoi ne peux-tu pas juste écouter ta femme? C'est quoi les grands problèmes à m'écouter? Tu penses que je ne peux pas te soutenir? Je sais juste de prendre soin de toi. Ton frère prend de l'avantage sur toi parce que tu es un bon cœur. Ne vois-tu pas ça? Tu es tellement aveuglé par l'amour que tu as pour lui et tu ne vois pas que ça peut tenir un jour. Peux-tu juste arrêter ça? Arrête ça, s'il te plaît. Je ne veux plus entendre parler de ça encore. Arrête! Bébé. Oh, mon frère, ce business sera une bénédiction pour nous, oh mon Dieu. Je suis vraiment impatient que tout ceci se termine. Tu sais, toute cette pauvreté, mec, j'en ai vraiment marre. Je suis fatigué. Tu n'imagines même pas combien de temps j'ai pu attendre. Hein? Combien de temps j'ai attendu cette même opportunité. Une vie dont tu peux vraiment être fier. Ah, c'est magnifique. Ouais. Quel est-il des gardes, la logistique? L'avais-tu appelé? Ah, je l'ai déjà appelé et tout ira bien. Tout marchera comme prévu. Tu ne dois pas t'inquiéter. Ah. Grand frère. Oui. Tu sais très bien comment les femmes se comportent. Sans t'offenser. Mais je ne pense pas que tu devrais dire à Cassia à propos du business. Pas pour l'instant. Donc, tu veux dire que je dois lui cacher tout ce que nous faisons? Ouais, si tu peux garder le secret, garde-le pour toi-même, tu comprends? Je non. Pense... Non. Tu sais, je raconte à ma femme tout ce que je fais. C'est ma femme. Nous faisons qu'un. Même l'argent que j'épargne, je l'épargne avec elle. Donc, ce sera compliqué pour moi d'utiliser cet argent sans pourtant qu'elle soit au courant. C'est compliqué. Ce n'est pas normal. Pas du tout. D'accord. Regarde, je comprends. Ok, tu ne dois pas être aussi bon dans toutes choses.
Je pense qu'on devrait juste préserver quelques détails. Avant d'aller vers elle, parce que tu sais, on ne sait jamais. Si le business commençait à fonctionner, ah, pourquoi pas? Tu pourrais le faire comme une surprise. Tu pourrais la surprendre. Tu dois juste... J'aime cette idée. Ouais. La fête surprise. Ça, j'aime. Tu sais, elle a beaucoup fait pour moi. Je crois que ça sera une bonne nouvelle. Pas chaque fois des mauvaises nouvelles qui arrivent de temps en temps. Tu peux donner quelque chose qui va lui donner la joie et elle sera heureuse. J'aime cette idée. Tu l'apprécies? J'en doute parce que tu finiras par lui dire. Non. Elle va être... Ah, elle va vraiment être excitée. Très bientôt, ton père aura beaucoup d'argent. Vraiment? Oui, oui. Et on sera capable de prendre soin de toi et de donner une meilleure vie que tu mérites. Papa, vas-tu acheter une voiture pour m'emmener à l'école avec? Oui. Tout ce que tu as à faire est de me donner quelle sorte de voiture que tu veux. Une grande ou bien une bonne, toutes sortes de voitures que tu voudras. Ton père va l'acheter. Tu sais que tu es intelligent. Oh, bim. Tu es vraiment intelligent. Oh, bim. Oui. Devine quoi? Le messie t'a envoyé le message. Et je crois fermement qu'il t'a donné ce travail. Attends. On a entendu Panda et l'homme. Je sais. Bien entendu, merci. Aïe. Je suis désolé, mais je ne suis pas capable de prendre ce travail. Je vais commencer mes propres affaires. Mais c'est parfait. Tu peux prendre le boulot. On peut commencer à épargner ton salaire. Et après, tu peux créer ton propre business et on aura de bénéfices. Ce sont des grandes affaires. Je ne saurais pas les combiner avec un travail. Ça va me demander beaucoup de temps et de concentration. Je ne saurais pas les combiner. Obi, et tu peux aller dans ta chambre. Va résumer tes notes. D'accord, okay? Je vais, maman. Voilà, un bon garçon. Ouzo, combien d'argent as-tu épargné pour que tu commences ces gros business? Mais le problème est que je planifie pour emprunter et vendre aussi notre parcelle. Notre ciel terre? Oui. Et je sais que si les affaires marchent très bien, nous allons acheter d'autres terrains. Ah, mais, Obin, et si ça ne marche pas? N'as-tu jamais entendu que les hommes d'affaires disent toujours qu'ils ont perdu beaucoup de choses pour en arriver là? Et alors le tien, si ça échoue? Obin, mon cas est différent. Et je ne veux pas que tu sois négative. Les dire de ceux qui parlent, ce n'est pas eux tous. Ce qui veut dire que d'autres ont été chanceux. Je crois que si nous sommes prudents et qu'on gère bien tout ce qui va se passer, je ne crois pas qu'on aura des chèques. Mais Obi, ne penses-tu pas que c'est risqué de mettre toute une épargne dans une seule chose? Risque. La vie, c'est le risque. Je crois que si tu ne prends pas des risques dans la vie, tu vas commencer à te demander qu'est-ce qui se passera si tu l'avais fait. Non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Tu dois décrocher ce poste au moins. Non, je n'en fais pas. Tu sais, je veux que tu m'appuies. Je ne veux pas que tu sois négatif et essayer de me convaincre. Je ne veux plus des petites choses, hein. Je veux des grandes choses, pas des petites. Non. C'est ça le problème. Et parfois, on me dira que je ne dise rien à ma femme. C'est à cause de ce genre de problème. Je veux que tu me soutiennes. Je veux que tu sois là pour m'aider à aller de l'avant. Si tu veux bien vivre, il faut avoir le cœur comme le cœur d'un homme. Il affronte les risques jusqu'à ce qu'il va arriver à réussir. Je ne suis vraiment pas très à l'aise avec ça. Arrête de penser à cette idée, hein? Arrête ça. Oh, Bim. S'il te plaît, écoute-moi. C'est pas comme si je t'ai dit ce que tu dois faire. Mais je suis ta femme. Et tu dois écouter ta femme.
derrière tout homme qui a réussi, il y a une femme. Mais tu ne me laisses pas entrer et tu me repousses toujours. Je me sens comme si je ne suis pas présente dans ta vie. Laisse-moi prendre part pour que tu réussisses dans tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. S'il te plaît, Obin. Ok. Mais tu sais quoi, Diapalissa? Hein? Pouvons-nous parler d'autre chose, s'il te plaît? Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Obin, je sais très bien que tu t'inquiètes beaucoup. Pour moi, pour nous. Et je sais que malgré tous ces problèmes, tu as été patiente avec moi. Tu as enduré des difficultés, la peine, la torture, la famine avec moi. Et je n'ai pas en passé là à la légère. Je veux travailler dur, très dur pour te donner tout ce que tu mérites dans cette vie. Je ne veux pas te laisser voir. Tout ce que je te demande est de me laisser faire ce business. C'est tellement grand et je sais que je vais y arriver. Oh, ce business, Obin, tu prends des graves risques. La vie, c'est les risques. Ok? Bien, c'est bon. Je ne parlerai plus de ça avant que tu me traites d'une femme désobéissante. Mais mes pressentiments, tu sais qu'ils ont toujours été forts. Je n'ai pas un bon pressentiment pour ça du tout. Tu sais que je ne peux jamais te maltraiter. Approche. Approche, bébé. Peux-tu juste être compréhensif? Non, trouvons d'abord une solution, c'est là. Et puis nous allons continuer de discuter de tout ça. Ok, c'est bon, je comprends. tu sais comment ça marche. C'est déjà oui, bien bon sûr, début. Mais tu ne pensais pas qu'on devrait argumenter les mots. Ça pourrait non, être non, parfait. Non, ça a l'air parfait. Ça a l'air parfait. Alors, maintenant, il est d'accord avec nous. Quand est-ce que toi et moi, on partirait pour compléter l'argent? Je pense qu'à la fin de la semaine prochaine. D'accord. Tu sais que ça. M. Frisinant veut aussi payer la semaine prochaine. Ça veut dire que notre business est en voie du développement maintenant. S'il te plaît, dis à M. Frézina et quoi qu'il fasse, qu'il se prépare déjà pour nos bières parce que je ne vais pas entendre certainement. Non. Je dois l'avouer, mon frère, je suis vraiment très excité. Vraiment. Finalement, on peut dire bye bye la pauvreté. Ah, mon cher, avec toutes ces souffrances, j'en avais vraiment marre, mon frère.
Tu sais, nos parents seront fiers de nous. Ouais, je sais. Spécialement de toi, mon frère. Je veux dire, t'as franchement tout fait. T'as travaillé dur et t'as payé pour tout ceci. Et tu as fait de moi un partenaire égal. Arrête, tu es mon frère. Je veux dire, si tu gagnes, moi je gagne. Alors on va gagner ensemble. J'ai franchement tout apprécié. Tout ce que tu as fait pour moi, c'est toi qui m'as envoyé à l'école. Dis pas ça. Et tu étais là, tu m'as aidé à trouver un travail. Quand je n'arrivais pas à le trouver. S'il te plaît, ne dis pas ça. C'est ma responsabilité en tant que grand frère. Allons-y. D'accord. En tout cas, je suis content. Mais qu'est-ce que je vois là? Est-ce que tout va bien? Ouzo. Je ne vais pas vraiment essayer de répéter la même chose, hein? Mais comment tu peux être très à l'aise pendant que ta femme fréquente d'autres hommes? Je crois qu'on avait parlé de ça. Je sais très bien. J'ai confiance en elle. Elle a confiance en moi. C'est simple. Mais je t'avais dit que c'est son ami. Et pourquoi? L'ami d'enfance? Ah, d'accord, tu me l'avais dit. Oui, tu me l'avais dit. Ouzo, ça c'est le 21e siècle. D'accord? Tu peux ne pas avoir accès aux réseaux sociaux et tout ce qui va avec, mais... Tu ne peux pas faire confiance aux femmes comme ça. Il n'y a rien que le femme ne puisse pas faire. Ouzo, je suis le seul. Qui s'inquiète pour toi? Je suis la seule personne qui s'inquiète vraiment pour toi. Je suis ton sang. Et ton sang? Tu peux pas faire l'erreur de faire confiance à cette femme. Je t'ai dit... Où est-ce que tu veux en venir? Ouzo, ce que je vais dire est que... La manière dont tu lui fais confiance avec tous ces hommes dont tu les as absolument vus, et la manière dont tu lui fais confiance, c'est vraiment bizarre. Tu entends? Il n'y a rien qu'une femme ne puisse pas faire. Tu ne sais pas ce qui se passe actuellement dans le monde. Parce que ça se voit que tu n'as pas accès à toutes ces choses de l'Occident. Il n'y a rien qui se passe maintenant. Comment es-tu même sûr que tu es le vrai fils de Bia, je le son fils? Comment tu peux dire de telles choses? N'essaie plus jamais de répéter ça la prochaine fois. Je suis désolé. Je ne sais pas d'enlever la paix entre vous. C'est exactement ce que tu as fait. Comment est-ce que tu peux concevoir une idée pareille? J'essaie juste de te faire comprendre que plusieurs choses arrivent. Vous ne réagissez pas comme ça, ça arrive. Ce genre de situation arrive. Ça arrive tous les jours. Tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu verras. Il y a beaucoup de gens qui éduquent et élèvent des enfants qui ne sont pas eux. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Je suis là juste pour veiller sur toi parce que tu es mon frère. Tu es mon frère et je dois faire attention à toi. Je n'ai jamais voulu t'angoisser, moi. C'est bon. Tu es mon sang. Tu as une place spéciale dans mon cœur. Mais c'est ma femme. La chair de ma chair, l'os de mes os. Ok? Je veux que vous deux vous arrêtez de vous battre à cause de je sais pas quoi. Vous avez tous une place spéciale dans mon cœur. Et comme étant ta femme, je crois que c'est moi qui tiens sa main. C'est moi qui suis toujours avec toi. Tu es ma famille restreinte. Oh, je vois très clair maintenant. Et alors, qui suis-je? Je viens d'une famille lointaine? Ou peut-être j'ai été adopté, quelque chose comme ça. Comme on t'a enseigné à l'école que le frère fait aussi partie de la famille de son frère. T'as pas compris? Bien. Je ne me dérange même pas pour te répondre. Écoute, Ike, si tu veux hausser ta voix, alors fais ça hier. N'ose plus jamais. Oh, c'est encore la voix devant mon mari. Je ne peux pas le supporter. J'en ai tellement marre. Et j'en ai attendu beaucoup de toi. Et d'ailleurs, qui sait? Peut-être que tu es adoptée parce qu'il n'y a pas une ressemblance entre vous. N'importe quoi. J'espère que tu as entendu ce que ta femme a dit sur moi. Bien sûr qu'elle a raison. C'est toi qui as commencé, non? Tu as dépassé les bornes quand tu as parlé de la paternité d'Obiadjoulou.
Mais s'il te plaît, ne parle plus de ça la prochaine fois. Je suis d'accord, mais elle n'avait pas écouté quand je le disais. Mais tout ça, c'est d'après elle. Mais je me retiens pour toi. Ok? Je suis vraiment désolé de tout ce que j'ai dit. Ah, je pense bien que je dois partir maintenant. Ok, pas de problème, on se voit plus tard. Où est-ce que tu vas? Récupérer Obi de l'école. Mais il n'est pas encore temps, non? Est-ce qu'on peut parler? Je suis désolé pour lui. Ce n'est pas grave. C'est juste que tu dois mettre quelques limites avec lui. Je ne peux pas fixer de limites entre mon frère et moi. Je ne te demande jamais de fixer des limites entre toi et ta famille. Ce n'est pas une compétition, Obim. Tout ce que je dis est que, avant que tu fasses quelque chose, essaye d'analyser. D'ailleurs, je sais juste d'être préventive pour nous et notre famille. Tout business commence petit à petit. Est-ce que tu peux arrêter? On ne peut pas avoir une conversation normale au lieu de désapprouver tout ce que je dis. Je ne désapprouve absolument rien de tout ce que tu dis. Je sais juste de dire que je suis ta femme. Et tu dois m'écouter parce que deux valent mieux qu'un. Tu ne peux pas aveuglement croire aux gens. Ils prendront l'avantage sur toi. C'est de mon frère dont on parle. Pas ces gens qui sont là dehors. Mais c'est bon. Je ne veux pas que tu te promènes en colère et puis triste. S'il te plaît. Tu dois écouter ta femme. C'est très important. D'accord. Laisse-moi partir avant qu'il ne soit tard. Ok, prends soin de toi. Mon fils, très bientôt, papa aura beaucoup d'argent et tu vas commencer à bien aller à l'école. Tu n'auras rien à te quitter, tu vas commencer à bien aller à l'école en voiture. Et tout va bien se passer, je vais commencer à te déposer en voiture. J'ai très hâte, papa, j'ai très hâte. En tout cas, c'est très bientôt. Oui, papa. Vraiment très bientôt. Ton papa aura beaucoup d'argent. Prêt? Oui, maman. Partons. Allez, en route. Est-ce que tu as entendu? Ok. Ouais, allez-y. Allons-y. D'accord. Très bien. Au revoir, papa. Au revoir. Bye. C'est comment? C'est au complet maintenant? Oui. Donne-moi les sacs maintenant. Hein? Oui, oui, laisse-moi porter les sacs. Mon frère. Qui est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Grand frère. Tout ne va pas bien. Ça veut dire quoi, tout ne va pas bien? Grand frère, cet homme ne répond pas à mes appels. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu blagues, tu es en train de blaguer. C'est pas une blague. Ça c'est une blague, qu'est-ce que tu veux dire? Ozo, mais si le fournisseur Atom s'étira avec notre argent, je sais pas pourquoi, mais il ne répond pas à mes appels. Vraiment Ozo, je te jure, ce n'est pas une blague, au nom de Dieu. Mon argent, tout ce que j'avais, l'argent que j'ai emprunté, ma dernière partie des terres que j'ai vendues. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ozo, je sais pas ce qui s'est passé.
En tout cas, c'était une blague. Ce n'est pas, ça, c'est pas une blague. Je jure au nom de Dieu. J'essayais de l'appeler, mais il ne répond pas à mes appels. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu m'avais dit que ton ami connaissait cet homme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Calme-toi. Calme-toi. Même mon ami ne répond pas à mes appels. C'est comme si c'était leur plan à tout le dire. Calme-toi. Mais pourquoi tu me dis de me calmer? Pourquoi tu veux que je me calme? S'il te plaît, Ouzo. Toute ma vie est arrêtée. Mais tu me dis de me calmer. Mais calmer pourquoi? Ouzo, s'il te plaît. Non, arrête ça. Ça, c'est une blague. Je suis désolé. Tu sais comment j'ai souffert pour assembler cet argent? Est-ce que tu connais des milliers de travaux que j'ai faits juste pour assembler cet argent et tu me dis de me calmer? Juste donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Ouzo, je suis désolé. Ouzo. Oh mon Dieu. Monsieur Frezen va me tuer. Ouzo. Ouzo, je sais pas comment c'est arrivé. Ouzo, s'il te plaît. Je ne sais pas comment. Il faut que tu arranges. Il faut que tu arranges tout ça. Parce que. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ouzo, s'il te plaît, je vais tout arranger, Ouzo. Je ne sais pas comment j'ai souffert juste pour rassembler cet argent. Ouzo, je sais. Trouve cet argent. Écoute, je suis désolé, allons-y maintenant. Je suis désolé, on va tout arranger. Je suis désolé, je te le promets. Allons-y. Oh, Bim. Je t'ai apporté quelque chose. Je ne vais rien prendre en ce moment. Oh, Bim. Mais tu es clairement malade. Pourquoi pas aller dans une pharmacie? Je vais bien. Je vais juste me reposer. Mais tu ne vas pas bien. Ok, bien. Si tu ne veux pas aller dehors, laisse-moi aller à la pharmacie et te prendre quelques médicaments. Non, je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu as tellement de la fièvre et ce n'est pas normal. Je vais bien. Ok, bien. Que je t'apporte quelque chose à manger. Je n'ai pas faim. J'insiste, tu dois manger. Je n'ai même pas l'appétit. Le grand seigneur, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, oh. Et vous-même, sinon? Ça va, oh. S'il te plaît, tu n'as pas vu mon frère? Ah, ne parlez pas comme ça, grand seigneur. Vous ne savez donc rien? Vous êtes son frère, non? Vous devriez être le premier à le savoir. Savoir quoi, au juste? Votre frère a volé de l'argent, oh. Beaucoup, beaucoup d'argent. Volé de l'argent? Comment? Votre frère a volé de l'argent, beaucoup d'argent qu'un homme avait laissé juste comme ça. Oui, votre frère a acheté sa propre voiture. Et c'est ton fouille, non? Vous savez pas? Rien. Yeah. Grand Seigneur, ne faites pas ça, non? Grand Seigneur, ne faites pas ça, non? Rien. Yeah. Grand Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez bu ce matin? Attends. Où est mon frère? Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Votre frère s'est enfoui, non? Si c'était vous, allez-vous rester ici? Hey! Il est allé où? Votre frère est parti. Tout le monde en parle sur l'avenue. Vous ne savez pas? Ah! Dieu merci quand même qu'il ait cet argent et puis il est parti au... C'est votre frère, je ne vais pas dire des choses compromettantes. Si c'était vous qui avez une telle somme d'argent, alliez-vous rester à cet endroit? Je vous demandais ce que vous alliez rester. Donc il a eu beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup d'argent, il est parti. Mon vieux, moi je dois partir maintenant là, il faut vraiment que je vous laisse.
Grand Seigneur, votre frère a pris beaucoup d'argent, je suis sûr que vous le savez. Grand Seigneur, bon, moi je dois partir, je vous laisse, non? Bye bye. Grand Seigneur. Donc, Maga t'a envoyé l'argent. Hey! Ah! Mon frère peut me faire ça. C'est mon sang. Comment est-ce qu'il peut m'enfoncer de la sorte? Qu'est-ce qu'il me fait? Ça suffit. Je sais qu'il m'a détesté depuis longtemps. Je sais qu'il m'a détesté. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. J'étais confus. Je ne savais pas. Allez, regarde-moi. Regarde-moi, ça suffit, ok? Ça suffit. Tu ne peux pas te blâmer toi-même d'être si gentil, de l'avoir tellement aimé et de le faire confiance. Ce n'est pas de ta faute. Tu es seulement une victime, ok? Tu voulais nous quitter. Tu m'as fait avec. Tu voulais nous quitter. Est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu as pensé à notre fils? Je ne l'avais pas prévenu. Je m'étais trompée. Tu m'as fait avec. Je ne voulais pas t'écouter. Je n'ai pas voulu t'écouter. Je ne sais même pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ok. Ça suffit. On va essayer de trouver. On va essayer de trouver une solution. Ta vie n'est pas finie. Tu as moi. Et tu as oublié ton fils. Ça suffit. Ça suffit. C'est bon. Je suis désolée. C'est bon, ça suffit. On va les surmonter, d'accord? Je suis là, ça suffit. Ça suffit, je suis là. Mon fils. Oui, papa. J'aimerais te présenter mes excuses par rapport à ce que tu as eu à voir la fois dernière. Ce n'est pas grave, papa. Écoute, mon amour, c'est bon. Nous ferons face à ça tous ensemble. Oui, papa, ensemble, on est fort. Et divisé, on échoue. Approche. Ça suffit. Je t'aime. Je vous aime aussi. Je vous aime tous. C'est bon.
dit qu'il ne veut pas me faire ça, moi. Mon sang, mon frère, le seul à qui j'avais confiance dans ce monde, c'est lui pour qui je me suis sacrifié le plus. Les choses que je n'ai pas pu donner à ma famille, je les ai données à Ike. Je lui ai tout donné. J'ai même arrêté mes études. J'ai même arrêté de poursuivre ma carrière parce que je voulais absolument qu'il aille à l'école. Non, Ike ne peut pas me faire ça, moi. Ne peut pas. Est-ce que ce garçon était vraiment sérieux? Non, 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 ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si je n'étais pas venue à temps avec Obio, j'aurais pu perdre mon mari. Je suis tellement en colère après lui. Je me sens comme si je dois crier fort sur lui. Mais il n'a pas besoin de ça pour le moment. Il se sent déjà mal et poignardé dans le dos. Alors, je ne peux pas ajouter d'autres problèmes. Oh, mon Dieu. Mais je lui en veux. Si seulement il avait écouté. Si seulement il avait écouté. Je dois juste lui pardonner. Je n'ai pas le choix. D'ailleurs, c'est ce qui constitue le mariage. C'est pardonner et s'aimer pendant les durs moments. Oui. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Ça va aller haut? Merci. Je suis là pour toi. Ça va aller. Oh bien, Djoulou. Fais vite, fais vite. Il faut que tu partes à l'école. Je vais partir. Il faut que tu partes pour chercher le même boulot. C'est bon, Obi. Je suis en train de chercher un travail pour que je te soutienne. Tous les travaux sont au-delà de mon diplôme et ça ne marche pas toujours. Je trouverai un boulot. Peu importe. T'inquiète pas. On ne va pas abandonner. On va essayer encore et encore. C'est bien correct. On doit se tenir et essayer de soutenir notre famille et surmonter ça. Je vais partir. Prends bien soin de toi. Hein? Ok, bébé. Au bien, Djoulou. Je t'aime, papa. Moi aussi. Prends soin de toi. Au revoir, papa. Au revoir. Lis bien ton livre et ne joue pas beaucoup. Hein? Ok. Gentil garçon. Tu grandis tellement vite et tu ne veux pas que je te nourris encore. Hein? Allez, laisse-moi te faire manger. Allez, donne-moi. Non, maman. Donne-moi. C'est bon. Laisse-moi te faire manger. Oh, qui est là? Oui. J'arrive. Venez ici. J'arrive. Qu'est-ce que tu veux acheter? Victoire. D'accord. Viens. Non. Pars. Pas ça. Victoire. Viens. Viens. Victoire. Viens. Approche.
Je n'apprécie pas ce travail. Je sais, oui. Je sais que tu n'aimes pas ce travail. Mais je n'ai pas le choix. Parce que c'est le seul qui nous donne un peu d'argent. Et tu sais très bien que... on en a besoin. Ah, je sais. Je t'en prie, promets-moi que tu seras prudent. Je te promets. Je ferai attention. Et je te promets aussi que... très bientôt... nous aurons beaucoup d'argent. Nous aurons une voiture et tu feras tout ce que tu voudras avec l'argent. Je te fais confiance et je crois que tu peux le faire. Alors, dis nouveau à propos des Ikea. Ah. Rien du tout, mais j'ai envoyé les gens pour le chercher. Qu'est-ce que tu vas faire s'ils le trouvent? Vraiment. Je fais juste qu'ils me ramènent l'argent. Je ne pense pas que j'ai fait quelque chose de mal. C'est mon frère, c'est ça. Bien, je prie juste que Dieu touche son cœur et qu'il te ramène l'argent. Amen. Tu sais, le temps qu'on m'avait donné pour que je rembourse l'argent vient de terminer. Je veux ma tripère. Ça va aller. Tu n'as pas à avoir peur. On va juste le supplier de nous donner un peu de temps. Si jamais il refusait, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait pour nous. Il ne va pas refuser. Je crois que par la grâce de Dieu, il va nous laisser un peu de temps. Amen. Je t'aime. Je t'aime aussi. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Comme si tu ne savais pas pourquoi j'étais là. Je viens pour récupérer l'argent que je t'ai prêté. Monsieur Peter, bienvenue. Monsieur. Merci. Monsieur Peter, je... Pourquoi est-ce que tu bégayes? N'est-ce pas simple pour toi de comprendre ça? L'argent que je t'avais prêté, l'argent de mes mains que je t'avais prêté, c'est ça que je suis venu prendre. Monsieur Peter, s'il vous plaît, on n'a pas encore trouvé cet argent. D'ailleurs, vous savez que mon mari était escroqué. Assez avec cette histoire. L'histoire d'un chasseur en chasse. Tout ce que je veux, c'est mon argent, s'il vous plaît. Monsieur Peter, s'il vous plaît, soyez patient. Je sais de... Tout le temps que j'ai pris à... patienter. C'est plus que l'échéance convenue. En quoi encore je serai patient? S'il vous plaît, donnez-moi mon argent. S'il vous plaît, donnez-moi juste une semaine. Et je vais commencer à payer petit à petit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Une semaine, tu as dit. Oui, monsieur. Moi, je t'en donne deux. Merci. Et quand je reviendrai, vous ne me donnez pas cet argent après des semaines, je vais te faire enfermer. Et aucune supplication de quelqu'un te fera sortir. Hey. C'est tout ce que je tenais à te dire. Monsieur. Hey. Bébé. Je suis désolé. Non, ce n'est pas grave. Je suis juste inquiète que tu n'arrives pas à payer cet argent dans des semaines, comme il te l'a demandé. 2 millions de naira. Je ne sais pas. Et si je le payais petit à petit? Est-ce qu'il serait d'accord?
La façon dont il est venu ici, j'ai trop peur. Je pensais qu'il allait te faire arrêter. Je ne sais pas ce qu'il nous réserve demain. Je ne sais pas comment est-ce que ça sera. Mais je pense que tout va bien se passer. Ok? Je prie ainsi. Très bien. C'est quoi ça? L'argent. Ah ah. Écoute, ça c'est ma croix. Laisse-moi la porter seule, ok? C'est l'argent que j'épargnais dans tout le travail que je faisais. Alors ça peut t'aider. Bébé, s'il te plaît. Et je suis ta femme. Je porterai la croix avec toi, ok? S'il te plaît, n'insiste pas. Ça va t'aider pour autre chose. J'insiste. Allez, prends. S'il te plaît, ne dis pas non. Ne t'inquiète pas, lorsque je finirai à payer M. Peter, je te paye tout cet argent et je vais même ajouter du bonus. Merci beaucoup. Tu es gentil. Mais non, ne me les rembourse pas, ok? On est dans cette situation ensemble. Souviens-toi, ton argent est le mien et mon argent est le tien. Tu dois recevoir de l'aide, ok? Je ne te mérite pas. Ok, si. C'est la vérité. Bien sûr que tu me mérites. Bien Merci. Sûr que oui. Je t'aime. Merci. Allez, finis de compter avant qu'il vienne ici avec sa grosse tête. Je ne sais pas combien tu fais de bien. Puis-je t'aider à compter? Ok. Ok. Où crois-tu que je ne te fais pas confiance? Ah. Est-ce que tu te rappelles de ça? Je ne suis pas dangereux. Non, tu ne l'es pas. C'est quoi ça? C'est 100 000, monsieur. Prenez d'abord ça. Que je prenne quoi? Qu'est-ce que je veux faire avec 100 000? Monsieur, s'il vous plaît. J'ai été escroqué par mon propre frère. Je fais beaucoup d'efforts juste pour rassembler cet argent. J'ai été escroqué par mon frère. Je suis allé chercher du travail, appeler les gens, contacter tout le monde. Aie pitié, monsieur. Aie pitié, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Dans ce cas, 100 000 chaque semaine. Eh, monsieur, je ne saurais pas. Si je vous disais que je le ferais, je vais forcément vous mentir. Et je ne veux pas que vous soyez en colère. Vous avez été gentil avec moi. Je n'y arriverai pas. C'est d'accord. Descends minéra de moi, sans discuter. Ok, monsieur, je vais essayer. C'est d'accord. Merci, monsieur. Merci. Je sors. Si ça ne te dérange pas, je peux te déposer. Non, merci, monsieur. Je crois que nous ne prenons pas le même chemin. Merci, Très monsieur. Bien. On jure vraiment bien ces remboursements. Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais que je l'ai appelé hier et je lui ai dit, monsieur, je viendrai vous payer aujourd'hui. Il m'a demandé, es-tu sûr? J'ai dit oui. Il a dit, ah, vous les bonnes personnes, vous n'attendez pas qu'on vous rappelle. Et je lui ai dit, comment est-ce qu'on peut attendre? On a trouvé l'argent. Il m'a dit que à cause de ça, à cause vraiment de ta gentillesse, il m'a dit, enlève alors 500 000. 500 000? Oui. Tu ne l'avais pas entendu. Eh non, tu dormais. Waouh. C'est vraiment un homme bon. Oui, oui. Oui, oui. Maintenant, je me sens mal d'avoir dit qu'il avait une grosse tête. Ah oui, je sais, surtout toi. N'est-ce pas, tu n'attends jamais pour te défouler sur quelqu'un. Je ne veux pas juste sa façon de venir ici et de te harceler. Tout en sachant que tu es gentil.
Il doit récupérer son argent. Hein? Nous sommes des grandes personnes. Nous sommes les responsables de nos erreurs. Oh bien, Djoulou. Papa, j'ai très mal. Qu'est-ce qu'il y a? Oh bien, Djoulou. Il ne respire pas bien. Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bébé, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, allez. Allez, parle-moi. Oh bien, Djoulou. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bébé, regarde. Regarde, c'est quoi? Maman. Il a besoin de l'air. Non, maman. Oui. Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il va bien? Es-tu sûr? Oui, maman. Non, il ira mieux. Il respire. Il respire. Bébé, il va bien. S'il te plaît. Oh, il a repris connaissance. Allez. Très bien. Doucement. Il faut partir. Viens avec maman. Allez. Allez, doucement. Viens là. Viens avec maman. Obi, Obi, dis-le. Qu'est-ce que t'as, hein? Obim, réveille-toi, Obim. Notre fils est malade. Il ne respire pas correctement. Obi, dis-le. Il est malade. Mais amène-le à l'hôpital. Mais il ne reste plus là. Nous devons avoir cette personne, peu importe. Ok. S'il te plaît, reste avec moi, s'il te plaît. Tout ira mieux, ok? Oh, Dieu tout puissant. Oh, mon Dieu. J'ai trouvé l'argent. Allons-y. Ok, allons-y. Allons-y. Hein? Allons-y. Où allons-nous trouver 5 000 naira pour ces prêts? Où? Dieu, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Nous sommes des bonnes personnes. Nous... Hey! Ozo, ce n'est pas vraiment le bon moment. Nous n'avons pas le temps de poser à Dieu des questions. Nous devons faire quelque chose et nous devons le faire très rapidement. Tu as entendu ce que le docteur a dit? Si on ne commence pas les préparatifs pour l'opération, il peut mourir. On n'a pas assez de temps. Je ferai quelque chose. Je travaillerai pour avoir cet argent. Je vendrai toutes les propriétés. J'irai mendier. Je ferai n'importe quoi pour sauver mon enfant, l'autre enfant. Mon fils, ça va. Mon pauvre fils. Je ne peux pas la perdre. Tu ne vas pas la perdre. Je ne peux pas la perdre. Ok? On fera tout ce qu'il faudra pour sauver notre fils. Il va survivre. Calme-toi. Calme-toi. Thank you.
Tu as gagné tout cet argent aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai poussé le chariot. J'ai transporté les choses. Et puis, j'ai transporté les briques. J'ai fait tout ce que je pouvais faire juste pour avoir cet argent. Oh, bébé, relax. Je trouverai quelqu'un pour veiller sur notre fils. Et moi aussi, je trouverai un travail. Non, 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 non. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois aller garder. Ok, je vais trouver encore d'autres boulots. Et je ferai tout mon possible. Et je trouverai assez d'argent. Mais ce n'est pas juste que tu sois la seule personne qui travaille dur. Je vais aider. Tu m'as déjà aidé. Prendre soin de lui, c'est déjà une aide que tu n'imagines même pas. Ok? Laisse-moi me charger de tout. Voici, je crois que cette somme va aider 40 000. Hein? Ok, laisse-moi aller bouillir de l'eau pour toi, pour que tu prennes ton bain. Et okay. Après ça, je vais te faire un petit massage. Merci. Alors, l'argent reste ici. Ah, ça, il faut que tu les gardes. Tu sais que c'est pour autre chose. Je ne vais pas les toucher. Ok. Comment il va? Ah, il n'y a aucun changement du tout. Ok, je suis capable de trouver 150 000. Mais le docteur m'a dit qu'il faut que je trouve 10 000 pour commencer les traitements. Ah, mais je ne sais pas. J'essaie de contacter mes amis pour avoir de l'aide. Mais personne ne répond jusque-là. As-tu quelqu'un qu'on peut contacter? Laisse-moi appeler les gars qui vendent du pétrole. Monsieur Sony, ah, combien est-ce qu'il peut nous donner? Je ne sais pas. Il se peut qu'il puisse donner 20 000, 10 000, n'importe quoi. Ok, essaie juste d'appeler. Tu vas t'en sortir, ok? Il ne décroche pas. Essaie d'appeler quelqu'un d'autre. Essaye d'abord. Comment va-t-il? Pas du tout bien. J'étais capable de trouver 180 000 naira. Ok? C'est quand même proche. Demain matin, on l'amène à l'hôpital. Que l'argent soit complet ou pas. Oui. Je suis sûre que l'hôpital va nous comprendre. Ils vont vraiment comprendre. Ike. Si seulement Ike ne veut pas escroquer, j'allais bien l'hospitaliser. Mais qu'est-ce que... Oh, Bim. En tout cas, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le moment de te plaindre pour le passé. Je crois seulement qu'un jour... Juste un jour, tu vas les trouver. Ils vont regretter tout ce qu'ils t'ont fait. Et il paiera tous ses temps passés. Oui, bien sûr. Laisse-moi t'aider. Tu dois te reposer. Tu as l'air pâle et fatigué. Il faut que tu te reposes. Bébé, je ne peux pas. Tant que mon fils est dans cet état... Je ne peux pas. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, d'accord? Obi? Obi? Obi, dis-le. Obi, qu'est-ce qu'il y a? Il a bougé que maintenant. Amène-le à l'hôpital. Ok, vas-y, vite, vite. Quoi? Ose, dis-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi tu t'es arrêté? Ah.
Allez, dis-moi. C'est quoi le problème? S'il te plaît, laisse-moi essayer. Laisse-moi essayer. Obi, non, dis quelque chose. Allez, dis-moi quelque chose. Obi, Obi, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Vas-y, parle-moi. Allez, non, pas mon fils. Non, ou dis-moi quelque chose. Pas mon fils, non, pas mon fils. Allez, tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Mon garçon, mon seul fils, mon seul fils, mon seul fils. Obi, Obi est parti. Non, arrêtez de dire ça. Arrêtez de me dire ça. Arrêtez de me dire ça. Arrêtez de me dire ça. C'est que ça fait. Non. Ne me dites pas que vous êtes désolée. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, Obi. Obi, tu n'as même pas pensé à ta maman. Tu n'as même pas pensé à moi. Pourquoi tu as laissé fort, ta maman? Tu dois être fort. Pourquoi tu as laissé ta maman? Oh mon Dieu, je suis finie. Je suis finie. Non. Je suis finie. Tu dois maintenant essayer de calmer ta femme. Parce que c'est pas facile pour elle. Regarde comment elle pleure. Mon seul fils. Oh mon fils. Ne me dites pas de me calmer. Vous ne savez pas ce que je ressens. La douleur que j'ai est profonde. Vous ne le savez pas. Oh, pourquoi? 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 Obi. Obi, reviens-moi. Obi, reviens-moi. Obi, reviens-moi. Obi. Ah, oh, mon fils. Reviens. Qu'est-ce que tu veux? Obi. N'ose pas m'appeler comme ça. N'ose pas. Je t'ai supplié. J'ai te parlé, mais tu ne m'as jamais écouté. C'est seulement tu m'as fait écouter. Oh bien l'être en ce moment ici avec nous. Mon Dieu. Oh bien, je suis désolée. J'ai dit, n'ose pas m'appeler. Allez dehors. Laisse-moi tranquille. Allez, va-t'en. Je ne peux pas te laisser. Dehors, va-t'en. Maintenant, tu veux parler. Je n'ai pas besoin de te parler. Obi. Je l'ai perdu.
Je suis censé les protéger. Je suis censé être là en tant que père pour les protéger. Je l'ai regardé, je suis en train de mourir et je n'ai rien fait. Je suis tellement bête, il est mort. Écoute-moi, écoute-moi. Ce n'était pas de ta faute. C'était la faute de qui est entre nous. Bébé, écoute-moi, tu ne peux pas te blâmer toi-même, ok? Le seul crime que tu avais fait, c'était de faire confiance à ton frère. Tu dois te blâmer d'avoir fait confiance à ton propre frère. S'il te plaît, essaye de rester fort. Ne laisse pas que cela te change, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Frima? Il devait être là pour toi. Il devait être derrière toi. Mon propre frère m'a poignardé dans le dos. Et j'ai même perdu mon enfant que j'aimais. C'est bon, ça suffit. Que tout va bien. Je te le promets, c'est juste de rester fort. C'est possible. Je suis désolée. Désolée, mon amour. S'il te plaît, sois fort pour moi. S'il te plaît. Ça va aller, ok? Ça suffit. Obim. Réveille-toi. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est encore le matin. Mais n'oublions pas qu'on a encore tant de choses à faire. Lève-toi et allons travailler. Je ne vais pas partir. Pourquoi? Je ne vois pas l'importance de travailler. Parce que Obiadjulu n'est plus. Ah. Mais toi, tu es encore là. Et moi, je suis là. Et surtout, nous ne pouvons pas oublier M. Peter. Je ne vais aller nulle part. Rien n'a plus de sens pour moi. Écoute. Et si alors M. Peter venait pour son argent? Il va me faire tout ce qu'il voudra faire. Je m'en fous. Ça, ce n'est pas un problème. Non, tu ne peux pas dire ça. Ok, oui. Peu importe, moi je vais travailler. Je veux juste que cette douleur disparaisse. Faut que ça disparaisse. Je ne vois pas d'autre option que de prendre la bière. Je n'arrive pas à enlever cette douleur en moi. Oh. Je dois trouver une solution. Il faut vraiment que je m'aide. Thank you.
Mais où est-ce qu'il est passé? Réveillé? Oui. Obim, pourquoi tu me fais ça? Tu me brises le cœur. Comment tu peux arriver jusqu'à te saouler? Tu ne vas pas comprendre. Alors fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre pourquoi tu préfères boire de l'alcool au lieu de te battre pour nous. Nous battre pour surmonter cette situation que tu nous as fait endurer. Comment est-ce que ce saoulé peut résoudre un problème? Je suis désolé. Je n'arrive pas à comprendre. Tu ne t'inquiètes pas pour notre avenir, nos rêves et aspirations. Nous avons une dette à payer. Comment est-ce qu'on le fera si tu penses qu'à détruire ta vie? Comment? Peux-tu juste arrêter? J'ai des maux de tête et tu aggraves les choses. Où est-ce que tu vas? Est-ce qu'il y a une autre chose que tu sais faire? Si c'est ne pas boire et c'est tout. Oh.
Robin, tu n'as pas touché à ta nourriture. Et pourquoi tu es toujours à la maison? Tu ne sors pas travailler? Pourquoi travaillerais-je? Oh bien, Julio n'est plus. Pourquoi travaillerais-je? Oh Bim, tu peux travailler pour ton avenir, pour toi-même, pour nous, pour cette famille. Et pourquoi? Quel est l'intérêt de survivre? Quel est l'intérêt du travail dur? Quel est le plaisir de travailler dur? Il n'y a plus personne pour qui je vais le faire. Je suis même incapable de te rendre encore enceinte. Alors pourquoi devrais-je travailler? Pourquoi devrais-je me déranger? Oh Bim, tu n'as aucun besoin d'abandonner. Tu n'as pas à être désespéré. Il y a toujours de l'espoir quand on est en vie. Tu restes encore en vie pour une raison. Et qui sait, un miracle peut se faire et je peux encore concevoir. À quoi sert la vie si on ne peut même pas être optimiste? S'il te plaît. Juste. La paix, la vraie vie, et sans espoir. Je vais au boulot. S'il te plaît, prends soin de toi. Tu as ce défaut de ne pas écouter ta femme. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, écoute-moi. Je peux voir que tu es vraiment prête pour jouer. Il est vraiment très tôt pour ça. Je n'essaye pas de jouer en jeu ici. Je veux juste que revois bien tes actions et essaye de te conseiller. À quoi ça sert de détruire ta propre vie? Tu ne peux pas résoudre tous tes problèmes en te saoulant. C'est seulement quand tu as trop mal que tu peux trouver une très bonne solution. Qu'est-ce que je fais? Ai-je causé des torts ou quoi? Je bois seulement pour calmer mon stress. Ça veut dire quoi tout ça? Oh Bim, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, on n'a pas besoin de ça. Je veux que mon mari revienne. Et ça, ce n'est pas toi. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît. Ok. Je t'ai entendu. Non, tu n'as pas entendu. Tu as juste dit ça pour que je parte et te laisser tranquille. Sérieusement, je ne marre de tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi ce matin? Oh Bim.
Oh bim. Oh bim. Très bien. S'en aller. Fuir. C'est tout ce que tu sais faire. Ah. Alors, ma chère. Tu sais, mon séjour en Chine, c'était l'enfer. Sérieusement, j'ai vécu l'enfer. Tu sais, épouser cette femme blanche. C'était la mauvaise chose qui me soit arrivée. C'était une pire erreur. Tout mon séjour en Chine, vous les gens ici, vous pensez que j'étais bien. Mais je souffrais. Quoi? À cause de cette femme. Ah ah. En tout cas, je suis désolée que tu aies été avec tout ça. Mais remercie-toi que tu t'en es sorti en vie. Et tu es là. Tu nous es revenu. Ouais, je remercie Dieu pour la vie. Alors, assez parlé de moi. Comment va ton mari à propos? Je ne veux pas te mentir. Il ne va pas bien du tout. Fais-tu croire qu'une bonne médecin de l'alcool jusqu'à s'enivrer toutes les nuits? Waouh! Es-tu sérieuse? Oui. Tu sais, ton mari est un grand homme. Comment peux-tu le descendre aussi bas? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Emma, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. J'ai perdu tout espoir. Non. Tu vois, ma chère, tu n'as pas besoin de perdre espoir. Tu sais, quand tu perds espoir, alors tu perds tout. L'espoir est la seule chose qu'on aura vivant avant d'être mort. Tu comprends? Accroche-toi et sois forte. Tout ira bien. D'accord? Merci. Très bien. Aussi, je voulais dire que je t'ai apporté quelque chose. Le voici. Emma? Ouais, ouais. Oh. Merci beaucoup. Je t'en prie, ce n'est rien. Merci ça. Ce n'est rien, ça. C'est comme on dit. Ton frère reste ton frère. Je pense que moi aussi, je l'aurai comme citation. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ozo. Donc, tu as l'argent de payer tout ça, mais tu refuses de me donner mon argent? Quel argent? Monsieur Pierre, venez vous asseoir et prendre une bouteille. Venez vous asseoir et prenez cette bouteille, vous allez bien vous sentir. Hey! Cet homme devient fou. Attends, quand je te ferai enfermer, tu verras que je suis sérieux. Patron, vous savez qu'on va vous payer. On va vous payer. Hein? Si ce n'est pas à cause de l'argent que je vous ai donné, je devais avoir beaucoup déjà pour sauver mon fils. Je vous ai tout donné. Et si seulement tu n'avais pas donné cet argent à ton frère sans réfléchir, nous n'en serions pas là. Écoute, je te donne 2 semaines. Seulement 2 semaines pour que tu me donnes mon argent. Sinon, tu verras ce que je vais te faire. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez ça. Vous n'allez rien me faire. Tout ce à quoi j'avais peur m'est déjà arrivé. J'ai perdu mon fils. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Arrêtez ça. Arrête de me raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Ozo. Ozo. Monsieur Peter va te faire arrêter. Et puis? Mais qu'il les fasse. Suis-je le responsable de tout ça? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Obim, s'il te plaît, laisse-moi te venir en aide. Aide-moi à t'aider. Tu es un homme bon. Tu ne mérites pas tout ça. S'il te plaît, Obim, s'il te plaît. Tout ça là, ça signifie quoi? Obiadou est mort. Et sa mort va me hanter pour toujours.
C'est moi qui suis le responsable. Je l'ai tué. Je n'ai pas pu prendre soin de lui. Qu'est-ce que je vais chercher encore? Tu ne l'avais pas abandonné. Je t'ai regardé faire des travaux tellement épuisants juste pour sauver ton fils. Tu n'es pas un homme mauvais. Et tu ne l'es pas. Tu es un très bon père pour lui. Et tu as toujours bien pris soin de lui. Tu l'as poussé à aller à l'école. Tu as tout fait pour lui. Et partout où il est, je suis sûre qu'il est fier de toi. Et s'il te plaît, essaye de le surmonter. Je t'en supplie. Tu ne mérites pas ça. Tu le mérites pas. Je le mérite. Je mérite tout ce mal. Je suis vraiment responsable de tout ça. J'ai fait juste une seule erreur dans la vie. Et je dois être crucifié pour ça. Pour une seule erreur? Oui, c'est vrai. Non. Alors le moment où tu étais bon, tu veux détruire ta vie? Oui. À cause d'une seule erreur? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu es en train de faire va blesser ton fils. Je sais que tu étais désespéré en voyant ton héros perdre sa vie juste comme ça. Je suis fatigué. Écoute, chérie, je n'ai vraiment plus de force pour pouvoir aller de l'avant. Alors, laisse-moi être ta force. Laisse-moi être là pour toi. Et tu peux te confier à moi. Je vais me battre pour nous. Je vais me battre pour toi. Nous sommes dans cette lutte ensemble. S'il te plaît, reste avec moi. Je suis désolée, s'il te plaît. Je serai toujours là pour toi. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Cette clé. Es-tu prêt? Oui. Je vais te dire un truc. Donnons le meilleur de nous. Serrons nos mains et faisons tous les genres de boulot juste pour faire l'argent. Et puis, on peut même commencer un business ensemble. Bien. Et souviens-toi qu'il n'y a rien qui peut nous affronter si on a le pouvoir de nous battre. Je savais que tu avais la foi. Et tu as raison. Faisons-le. Peut-on y aller? Oui. Allez. Qu'est-ce que tu dis à propos des études aujourd'hui? J'ai eu un A à mon contrôle. Tu as eu un A? Oh oui, papa. Waouh! Ça, c'est mon fils! Ça, c'est mon fils! C'est parfait! Et continue avec cette allure, d'accord? Si tu continues comme ça, tout ce que tu me demanderas, je te donnerai, ok? Voilà pour vous. Oh oui! Oui, les fruits, c'est bien pour la digestion. Vraiment? Qui t'a appris cela? Je sais. Quand je serai grand, je veux être un docteur. Oui, ça, c'est mon fils. Waouh. Oh, bien, dis-le. Je prendrai soin de toi et de maman tous les jours. Waouh. Et je serai appelé... Papa. Donc. Et toi, maman? Maman. Dom. Une famille de... Dom. Ah ça, comme tu l'as dit, c'est pas un problème. Prends une partie. Alors, je t'explique. Ça, c'est le concombre. Ça, c'est la pastèque. Et ça, c'est quoi? La papaye. Si on change ici. La pastèque. Bien sûr. La pastèque, c'est la meilleure. Est-ce que tu en tout cas, je ne vais rien dire du tout. C'est le kiwi. Oh, donc tu connais la différence.
Je pensais que tu ne savais pas la différence avec une pastèque. Il n'est pas encore rentré. Bébé, réveille-toi, bébé! Bébé, réveille-toi! Non!
Nkasi, arrête, non? Pendant combien de temps vas-tu continuer ainsi? Je veux dire, ça fait combien de temps maintenant? 2 mois depuis que Ozo est mort. Et tu n'arrêtes pas de pleurer. Pourquoi est-ce que tu te fais ça? Arrête. Tu ne vas pas comprendre. Toute chose me rappelle Kelly et mon fils. J'ai tout perdu. Ma vie n'a plus de sens. Je sais. Et c'est qu'elle vit comme ça. Toutes les autres personnes vivent leur meilleure vie. Mais pas moi, Cassie. Mais Cassie traverse toujours une douleur à une autre. Voyons, Je suis fatiguée. Cassie, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ce n'est pas la fin du monde. Ok? Tu sais, c'est malheureux, bien sûr, mais... la vie continue. Et je réfléchissais. Je me demandais comment est-ce que j'allais servir d'assistance, mais je pense que j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens à quel point tu souhaitais devenir une infirmière. Où vois-tu? Je crois que je peux t'aider à aller à l'étranger, probablement aux États-Unis, afin que tu étudies, pour que tu deviennes une infirmière comme tu le désires. Mais à quoi ça sert? Je n'ai pas l'argent. Mais moi, si. Je vais te sponsoriser. Emma? Allez, essuie tes larmes. Tu le feras pour moi? J'espère qu'il n'est pas trop tard après tout. Oh Dieu! N'ose surtout pas. Que dois-je te payer en retour? Qu'est-ce que j'ai pour payer pour cette amitié? Écoute-moi bien. Vois-tu, Nkasi, au cas où tu es en train d'oublier, laisse-moi te ramener un peu en arrière. Souviens-toi de ces jours à l'école quand je mettais des habits puants à l'école et tout le monde se moquait de moi. Personne ne voulait s'approcher de moi parce que pour eux, j'étais une maladie. Mais tu étais la seule personne qui restait proche de moi. Vois-tu, tu m'as fait me sentir comme un être humain. Tu m'as fait me sentir aimé. Vois-tu, avec mes habits en torchon, vois-tu, tu m'as donné une raison de sourire. Et je sens comme si je te dois puisque la table a tourné maintenant. Vois-tu, on dit toujours que les bienfaits sont récompensés, alors tu n'as pas besoin de me remercier pour ça, sérieusement. Ah, Emma, ta gentillesse est si grande. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu te rappelles toujours. Et comment puis-je oublier ça? Que mon Dieu t'ait béni. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Qu'il ait été très haut. Essuie tes larmes, ok? Je te remercie du fond de mon cœur. C'est bon, c'est bon. Je suis reconnaissante. Voyons, c'est bon maintenant. Pauvre veuve. Ça va aller, ok? Merci. Allez, ça va aller. Est-ce que vous allez bien? Toi? S'il te plaît, je suis venu en paix. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La paix. Il est venu en paix. Je suis désolé. Est-ce que Ozo, mon frère, est là? Ton frère? Ton frère? Non, s'il te plaît, calme-toi. Ne fais pas ça. Permets-moi de dévorer son visage. Non, on ne va pas en arriver là. Je suis désolé. J'ai dit que je suis venu en paix. Je sais que tu peux me haïr à cause de nos différences au passé, mais je suis ici pour mon frère. Tu as toutes les raisons de me frapper, mais je suis là pour mon frère. S'il vous plaît, où est Ozo? Tu veux dire le même frère que tu as tué? Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dégage d'ici. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il vient de dire? J'ai dit dégage de ma maison. Je t'en prie, va-t'en. Vous voulez que je quitte la maison de mon frère sans toutefois le voir? Va-t'en. Va-t'en, avant que je n'appelle la police. Tu veux appeler la police pour moi? Dans la maison de mon frère? Pourquoi je devrais te quitter? Le même frère que tu as tué? Pourquoi il parle de la mort? De quoi est-ce qu'il parle? Où est Ozo? Que fais-tu ici si je... Ozo est mort. Tu l'as tué. Et ton neveu Obiadjoulou également. Et laisse-moi te dire un truc. Leur sang sera sur ta tête pour toujours. Souviens-t'en. Je sais que j'avais mal agi, ok? Durant ces 6 mois passés, j'ai fait des tragédies. Je sais que je vous ai profondément blessé. Je suis désolé, je suis désolé. Je veux juste... Ozo, je suis venu pour m'excuser auprès de vous. Cet argent est fini. Je n'arrive pas à croire que j'ai escroqué mon frère du sang à cause de cet argent. C'était combien d'ailleurs et maintenant tout cet argent est fini.
J'ai 20 000 qui est resté, c'est dans ma poche. Je vais les donner à Ouzou et présenter mes excuses. Ce n'est pas l'argent que je lui avais escroqué il y a des mois passés qui va nous séparer. Je suis désolé. Attends, okay? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai encore 20 000 ici dans ma poche, mais je vais devoir voir. 20 000 Naira, ça parle de millions que tu lui as volés. 20 000 Naira, Ike. Dégage de cet endroit. Va-t'en, ton frère est mort. Cassie, regarde le lunette pour laquelle mon mari a donné toute sa vie. Il m'évitait presque chaque nuit. Et c'est à cause de ces fous. Il n'arrivait même pas à me faire confiance, mais il faisait confiance à cet homme. Et aujourd'hui, il est revenu. Après tout le million de Naira, tout ce qu'on faisait dans notre vie, on l'a mis dans cette affaire avec cet homme. On n'arrivait même plus à manger, il n'y avait rien du tout. Je sais, je sais. Et aujourd'hui, il est réveillé, il demande son frère. J'ai envie de le tuer. Ne t'en fais pas. Je veux le tuer. Je sais que tu veux le tuer, mais il y a quelque chose qu'on appelle le karma. Et crois-moi, il aura ce qu'il mérite. Je ne peux pas attendre le karma. Je ne peux pas attendre le karma. Et tôt ou tard, il dira que je suis revenu en Jésus. Et Dieu va pardonner tous ses péchés. Il pardonnera ses péchés, il vivra libre. Non, je t'en prie. Je ne veux pas laisser Dieu lui pardonner. Écoute-moi, bon sang, ok? Ce gars a déjà tué ton mari ainsi que ton fils. Tu ne dois pas le laisser ruiner ta vie encore une fois, ok? Ça ne sert à rien du tout. Il ne sert à rien du tout. C'est ce que tu appelles la vie. Oh. C'est ce que tu appelles la vie. Mon fils et mon mari sont morts à cause de Je sais bien. Je le sais. Calme-toi. Je jure. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Tu vas le faire. Ok? Mais laisse-le au moins partir. Ça le concerne lui et Dieu. Ok? Ce qu'il te faut maintenant, c'est rassembler ce qui reste de ta vie et aller de l'avant. Il n'y a rien à tourner la page. Bien sûr qu'il y en a. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ok? Il ne peut détruire la vie de Ouzo et s'en sortir en se répandant. Je ne peux pas le laisser faire. Je dois m'assurer que la justice soit rendue pour mon fils et mon mari. Dès qu'il sera minuit, je vais me rendre tout droit vers chez lui et faire couler son sang. Non! Ne fais pas ça. Mon cœur. Quand est-ce que tu es revenu? Je ne suis pas revenu. Je ne rentrerai jamais. Je suis ici pour quelques minutes. Je suis venu te persuader de ne pas le faire. Si tu le fais, tu détruiras toute ta vie. Tu seras arrêté. Tu iras en prison. Mais si tu ne les tues pas, tu vas aller en Amérique. Tu obtiendras ton diplôme d'infirmière comme tu l'as toujours voulu. Tu vas te remarier et tu auras des beaux enfants. Pour la vengeance.
Laisse-la à Dieu. Pour Dieu, un Dieu qui pardonne même le plus méchant. Et si alors il se répand, et Dieu va le pardonner et il sera libre. Comment cela peut arriver? Il y a des choses dans la vie. Nous n'avons pas vraiment de contrôle sur ça. Laisse que la destinée évolue de sa manière. Donc, je dois le laisser tranquille? Exact. Exact. Et tu es d'accord avec ça? Comment tu peux être d'accord avec ça? La seule erreur que j'ai faite, ce n'est pas d'écouter. Si je t'avais écouté, il n'aurait pas eu cette chance de me faire ce qu'il m'a fait. Maintenant, c'est le temps pour toi de m'écouter. Les morts sont morts, nous disons. Et les vivants doivent vivre. Pour les vivants, la vie continue toujours. Non, non. Obim. 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 Où ça? Obim. Obim. Obim, attends. Obim, attends. Obim, attends. Obim. 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 Obim, non. Obim. Obim. Non! Et toi aussi. Papa! Papa, arrête! Arrête, tu me chatouilles! Papa. Oui. Ah.
continue. La vie continue. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.